Et Houston, nous allons décoller à destination de les astéroïdes. Veuillez attacher votre ceinture, monsieur Reddix va décoller. Attention. Je vous reçois. Je dois décoller, chef? Oui, vas-y. C'est parti, mon ami. Alors attention, vous êtes en train de faire une grosse traînée au sol. Je répète, vous faites une grosse traînée au sol. Question, est-ce que je vais vous brûler, chef? Je pense que oui. Est-ce que je vais rester coincé, chef? Ça, on verra. Oh mon Dieu, je décolle! Oui. Ah oui, tu brûles. Oh, c'est trop bien, ça fait un gros tuyau, après ça sort. Ouais, c'est ce que ta femme m'a dit, mais. Attends, j'appelle. Allô? Chérie! Attends, tu as bébé. Et en fait, je vais aller où? Je dois aller sur l'astéroïde, c'est ça? Oui. Allez hop, c'est parti! Tu vas? En fait, tu peux dire aussi en off, on a trouvé un autre donjon encore, tu peux leur expliquer au pire l'histoire. Ah oui, on a trouvé un autre donjon, sauf que bah c'est toujours le même. Qu'est-ce que t'es là? Ah oui. C'est qu'on a trouvé un autre donjon, mais le donjon, bah, c'est aussi un Creeper Tier 4. Donc du coup, bah, on va Redix a eu peut-être l'idée de partir sur une Tier 3 qui est l'astéroïde, et peut-être qu'il y a des boss là-bas. Oh! Trop classe quand on tombe sur l'astéroïde! Je te le dis. Oh non, je vais mourir! Pourquoi? Bah oui, mais il n'y a pas. J'ai loupé l'astéroïde! Ah non, c'est bon, il y en a un autre. Oh, j'ai eu peur. Putain, mais. Mais toi, je suis en train de mourir! Tu meurs de quoi? Une araignée qui m'agresse dans mon module! Ah oui, bon, ça c'est ton problème. Oh, c'est trop bien! T'es dans un gros suppôt! Putain, mais. Par où je suis dans un endroit le plus merdique du monde, je crois qu'il y a une araignée qui me colle au cul. Là. D'accord, Ok. alors. Bon, Moi. alors franchement, les astéroïdes, c'est vraiment ouf. Je te le dis. Ah, faut que tu viennes voir ça. Déjà, il Vraiment faut ouf. que j'arrive à bien me caler au centre par rapport pour décoller. Voilà, comme là. Astéroïde de quoi, de Mars? Oui. Enfin, astéroïdes, moi je parle d'astéroïdes, astéroïdes, hein, et ceux qui sont dans le champ d'astéroïdes, hein. Putain, en plus j'ai plus beaucoup de bouteilles d'air. C'est pas grave si je peux t'en avancer une. Dans le champ Ouais, j'en ai d'astéroïdes. encore. Moi je suis, je sais pas pour vous, mais moi je suis dans le champ rouge d'astéroïdes. Ah, mais c'est pas Mars. Déconnage! Mais non, on va pas sur l'astéroïde de Mars, hein. Ceux de Mars ils marchent pas, hein. Ah oui, il y en a qu'un seul astéroïde. Oui, il y a un seul, c'est dans le champ rouge là, tu sais, dans les. À Oui. côté. Déconnage! Dans les médias. Par contre, il y a un problème. Quoi? J'ai une batterie. T'as plus de batterie? Moi j'en ai J'ai encore qu'une pas. batterie, hein. J'arriverai pas à loader mon truc, hein. Ah oh, si, t'inquiète pas, j'ai un Tesseract. Attendez, moi je recherche ma. What, c'est quoi ce truc, on dirait la. Voilà, l'astéroïde. Et vous êtes sur l'astéroïde ou pas vous? J'arrive. J'arrive. Oh, c'est Ok. cool quand tu retombes. Ouais, c'est trop cool. Par contre, je sais pas Par où est-ce contre, que je vais tomber. je suis en toi là, je suis dans ton. Sérieux? Ouais, T'as mais plombé dans j'atterris mon module. pile au même endroit que toi. Attends, Donc, bah j'ai récupère pas le le temps tien. d'atterrir au même endroit que toi. Bah Vas-y, tu peux virer ton truc? je peux le casser. J'ai peur que ça casse le mien aussi. Bonjour. Putain. Faut chier aussi à dégoûter ce moment. Bah, moi je suis en train de loader la mienne. Et avoue que c'est ouf les astéroïdes, hein. Mais là, on a que. C'est l'air. Le mec est un vrai gosse, il s'en bat les couilles du reste. C'est ouf quoi. Oh, un cube! Ouais, donc du coup, on en pète un. D'accord. Bah, j'ai récupéré une fusée quelqu'un là. Et des pads. Ouais, hop, c'est bon. Tiens, J'ai je récupéré une jette une fusée. fusée. Par contre, les pads. Tiens, et je jette des pads. Il y en a combien? Il y en a que 9? Ah, il y en a que 9. Moi, j'en ai 9 sauts aussi. Ah, ok, mais ça va là. Est-ce que je pourrais. Genre, quelqu'un pourrait me brancher mon truc? Ah oui, en courant. Ouais. Ouais. S'il te plaît. Par contre, je sais pas, de premier abord, je trouve que les astéroïdes, c'est magnifique. Oui. Et donc, en fait, faut qu'on saute comme ça, de rocher en rocher, pour atteindre des autres astéroïdes. Oui, avant de tomber dans le néant. Et ça fait quoi si tu tombes dans le néant? Tu dois mourir dans le void, je suppose. Oui, je Ouais, pense. c'est bon, tu peux récupérer épée. Hop, je prends. Je récupère ma fusée aussi, on va pas la laisser là. J'ai changé mes bouteilles. Si t'as besoin, je peux t'enfiler une en robe. Hein. Ouais, non, c'est pas ça le problème. Là, le plus gros problème, c'est que du coup, bah, j'ai, je crois, plus d'essence pour partir. J'ai de l'essence si tu veux, j'ai une canne pleine. Ouais. J'ai plus du tout d'essence. J'aimerais bien récupérer ma putain de fusée là.
Oui. Allez, là, c'est bon, je suis. Par contre, j'ai pas du MEPAD. Tiens. T'en as un. Tiens, moi, j'ai le reste ici. Merci. Voilà. Et tiens, épée. Un canne plein. Hop. Et en théorie, si je regarde, j'en ai encore un dans mon coffre de plein. Bon, bah, ça, c'est bien. Donc, si quelqu'un a besoin d'essence, il me demande encore. Je pars toujours avec 3 cannes d'essence sur moi, en fait, quand je fais un voyage. Pour les. T'as tout à fait raison. Bon, du coup, on va. En tout cas, c'est beau le soleil avec toutes les. Hop, ça je jette, ça je jette. Bonjour, gros, gros astéroïde. Bah, viens, on va tout gros au milieu là, en mode on s'en met les couilles en fly. Putain, y'a un astéroïde bleu à côté, tout clair. Comment oui, c'est d'Atlas et je crois qu'il y a de l'herbe dedans. De l'herbe? Oui. Ouais, du on shit. On va voir ça tout de suite. Du bon shit sa mère ou du shit hein. Ah, oh, du shit sa mère, hein, wesh. Dedans, il y a de la Astre Rock. Ouais, il y a une flèche qui a fait space. Non, bah il y a pas grand chose. Hein. Ah bon? Dégage. Il faut aller au gros alors. Et par contre, question mineur, on va galérer à les mineurs, putain. Ouais, il doit quand même avoir quelque chose sur la planète, c'est obligé, je pense. Il peut pas rien avoir. Bon, on va faire une total up, ça peut, on va regarder. Ça crée un peu. Moi je trouve un arbre. C'est ouais, déjà bien. C'est déjà pas mal. Trouver des jardins. Tellement. Tellement. Moi les mecs, je m'en bats les couilles, je me mets à l'horizontale. Ah bon, tu veux tracer à l'horizontale. Regarde bien, je vais tracer direct à l'horizontale. Le balcon, Alex, le balcon. Voilà, t'as vu ma fusée s'incline déjà. Salut. Voilà, salut, je pars à l'horizontale. Putain, elle a traîné au sur le. Regarde l'épée, ouais, je passe. Waouh! Pourquoi vous portez pas? Moi je pars à l'horizontale, je préfère visiter. Hop, on monte. Ah, je vois une petite bite là-bas qui essaye de monter. Bon, oh, une autre traînée. Ah, oh, il y a mon petit loup. Pouf! Moi je reste à l'horizontale. Ouais. Le truc qu'on. Qui fait noir tout le temps, oui. La story genre le tiers 3, on était tout à l'heure. Ouais. Le stage, je suis dans les toilettes. On est à des toilettes. Non, on n'a pas atterri. Non, c'est une blague. Si. Ah, bonjour. Non, mais putain. Non, mais... Il y a le creeper. Couché. Et je tiens à dire que c'est toi qui as pour son moi, pas l'inverse. Mais toi qui es parti à Tatawin. Je suis parti à Tatawin en plus, hein, mais vraiment. Oh, une fusée vite, elle se barre. Bon, je l'ai eu. J'ai pas eu les pads. Ouais, c'est bon, j'ai une fusée, les pads. Moi j'ai pas les pads. Moi j'ai pas ma. Ah si, j'ai 9 pads. T'as ta fusée, chou? Ça l'a vu. Oui, j'en ai eu. Je suis sûr qu'il n'y a pas eu les pads, donc ça va, plaisir. Bon, moi je reste ici, moi alors. Il y a des pads au milieu. T'as vu où ça? Ah. Tu peux me passer des. Merci. Attends. Ah, moi j'ai plus de carburant en pitchon bécane. Tu peux me passer des cubes, chou, s'il te plaît? Des cubes de. Des cubes, on s'en fout, de terre. Ah, ok. Bien, si tu veux, j'en ai. Mais dans le coup, je vais les récupérer. Voilà. Oui, de cobble aussi. Allez, j'essaie de prendre au plus simple. Ah non, on va aller ici. Ouais. Par contre, c'est vachement mal fait que, en fait, même si on se décale, on rejoint tous un point. Oui. Ah, par contre, on est à 4000 cubes de l'autre point. On est. Bah oui, mais ah ouais. Oui, par rapport à Mars. Mais par contre, ce qui est quand même assez con, parce que je suis parti à l'horizontale jusqu'à avoir 50% de batterie, enfin de descente après, je suis remonté à la surface directe et je suis revenu au même endroit que vous, quoi. Ouais. Oh, c'est quoi ça? C'est de l'aluminium, ok. Dommage que quand tu te poses sur Terre, t'as pas la fusée, tu peux pas la diriger, parce que tu pourrais faire un petit rasmo, tu vois. Oui. Donc du coup, tu la poses où, Lou? Eh ben, une fois que j'ai fini de combattre les mobs. Au-dessus, ouais. Oh, une rotelle flèche. Space. Voilà.
tu aurais dit qu'il est toujours en train de taper sur son... Ah oui, merde, excusez-moi. Ah, parce que je trouvais mousse comme mec, tu vois, il y a des gens qui me parlent, oh putain, je suis saucé. Il y en a zéro à miner, de toute façon, des minerais. Donc ça sert à rien. Oh, c'est con. Ah oui, je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir des... Ici, il n'y a pas du tout de minerais, hein. Bah, c'est con, parce qu'il y a même des petits minerais de droite et gauche, quoi. Mais sûr que c'est pas sur les astéroïdes près de Mars, en fait. Et Mars, il y a des astéroïdes ? Bah oui, il y en a deux, ceux qui font crash tout le temps, en fait. Oh putain, si ça va là, si c'est là-haut. Hein. Bah, c'est les seuls astéroïdes que je connaisse, ça. Qui c'est pas ici, hein. Il n'y en a pas, hein, il n'y en a pas dans le camion. Bon, bah, si c'est pas là, si je pense un bug, du coup, et si c'est bug... On peut aller sur... Oui, parce que là, les maps font crash, donc du coup, ça marche pas. Je vais aller voir sur... Moi, j'ai plus sur les astéroïdes, moi, je te le dis. Chaque fois que j'y étais, chaque fois que j'ai crashé pendant 3 heures, donc... Ouais, je confirme. Et re... Voilà, re, un jour plus tard, mais re quand même. Donc, j'ai farmé, hein. Donc j'ai fait... Des fusées. Fusée tier 4. Là, on va partir sur d'autres planètes. Hein. On va vraiment partir sur vraiment d'autres planètes. À noter que, bah, du coup, tier 4, c'est égal à Mercure et une planète d'un système solaire très lointain. Je crois que c'est sur USB, mais je suis pas sûr. Peut-être bien. Attends, j'arrête vite fait. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, pour que je regarde. Lols, on va... C'est dans un autre système solaire, donc ça, c'est vraiment la sauce. Ah, et là. C'est Diona. Et c'est Diona, la fameuse clé en fait qui a un clé de creeper en fait, Donia. Et ce qui est vraiment bien, que ouais, elle a un satellite et tout, donc je suis pressé de voir ça. Hein. Autre système solaire, satellite et tout, ça va être la sauce. Tuc 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 tuc, pouf. Est-ce qu'elle est grosse? Ouais, elle est pas mal grosse. Attends, là, je vois plus rien, on est tous dedans. Attends. T'es sûr, tu vois encore des choses là, hein, tu... Bah en fait ça fait penser à ce que j'ai dans mon slip, donc c'est un peu tous les matins pareil, tu vois. D'accord, je peux pas savoir. Hop, vite, la fusée, on va la mettre. On va voir si elle est plus grosse que les autres. Là, je suis un peu déçu. C'est vrai qu'elle est plus petite, hein. Ouais, je suis un peu déçu parce que regardez, si on compare à la tier... Ouais. Putain, moi je voulais pas de vos effets. Celles-là sont quand même plus grosses. Ouais, je suis un peu déçu. Et en plus, j'ai fait un petit système en dessous qui permet... Vas-y, mon délo, à toi l'honneur d'appuyer sur les boutons. Ouais. Il y a une différence ? Non mais attends. Oui. Ah c'est juste la lumière. Ouais, là c'est juste la lumière. Okay, c'est un gros connard. Tu sais, les mecs c'est un gros connard, c'est juste ça, je suis un peu déçu. Surtout dans la nuit, c'est cool. Ah ouais, c'est assez beau. C'est avec des répéteurs, je suppose. Ouais, j'ai fait l'ancien système de redstone en vanilla, c'est cool. En fait, je pense qu'elle est plus petite parce qu'en fait, l'eau, t'as pas mis sur les astéroïdes, etc. Donc, elle est plus grosse, elle supportait plus de dommages. Alors que celle-là, elle est plus pour traverser différentes galaxies, donc elle supportait le froid, etc. En théorie. C'est pour ça qu'elle est plus fine. C'est ça. Je mettrai dans le réseau, l'eau, un voyant comme quoi si c'est allumé ou éteint. Hop, moi j'ai ma canne d'essence. Bon, ça veut pas qu'on parte. En tout cas, les roquettes sont plutôt belles au niveau des côtés. Ouais, c'est vrai. Alors, on dirait une chérin, mais un peu plus custom, un peu plus design, on va dire. Ouais. Bon, allez. Oups, merde. On a rien vu. J'ai mis ce clic. Donc voilà. Bon, on est prêt ? Ouais, allez, quand tu veux. 3, 2, 1, top ! Oui ! Est-ce que ça fait plus de fumée ? Non, moins. Non, non. Beaucoup moins. Oui, beaucoup moins. Je pense que booster, elle n'envoie du pâté, je pense. Hein. Bah, ouais. Voilà, vache. Et là, ça défonce toute la maison. Mais je pense qu'elle est plus compacte en puissance, on dirait. On dirait bien, on verra, hein, vu la vitesse qu'on montera. Ouais, je décolle en dernier, quoi, vas-y. J'ai un gros cul à tracter, quoi. Oh, je crois qu'elle va moins vite, on dirait. Ouais, elle va moins vite que la grosse. Pourtant, elle est plus chiante à faire. Mais j'espère que les autres sont encore plus meilleurs, quand même. Hein. Bah, je préfère. Oui, elles sont mieux, mais celle-là, je sais pas, elle est bizarre. Je préfère largement la tier 3 finalement. Au fait, là, on va où? On va sur Mercure. Ok, Mercure, let's go. Ouais, mais elle est plus lente, hein, c'est vrai. Ouais.
montrer aussi vite en game mode. Par contre, après, je sais pas si il faut autant de dommages quand tu sais, tu fais du Razmak comme moi. Ah oui, bah ça après, c'est ton problème. Là, c'est la question, on va voir si on va popper tous au même endroit. C'est où Mercure d'ailleurs? C'est tout près du soleil. C'est la petite. C'est la première. Hop, launch. Waouh, le soleil est vraiment violent, les mecs. Bah, moi j'ai pas crash, par contre, le soleil est vraiment violent. En fait, on est très proche du soleil, donc ça prend pratiquement tout ton écran en fait. C'est de Mercury, hein? Oui, Mercury. Oui. Et ben. Sachez que le soleil est violent. Hein. Ouais. On peut le louper. Bah, c'est le plus proche, donc du coup. Et ma touche F5 est bloquée. Ok, c'est bon, je suis sur Mercure personnellement. Hein. Ouais, par je suis posé. Perso aussi. Ah, je vois ton coffre. Donc, t'es pas très loin. Par contre, je vois pas mes bouteilles d'oxygène. Ah, moi aussi. Ah, peut-être qu'il y a de l'oxygène sur Mercure. Ce qui est logique, mais imaginons. Eh, hey, ça serait possible du coup. Bah attends, je vais les retirer. Attends, je les ai retirés, on va voir. Ah, il y a un manque d'oxygène. C'est juste un bug que j'ai eu en fait. D'accord. Je prends des dommages d'oxygène. T'as vu, je prends des dommages alors que je bouge pas. Opté, c'est le soleil. Bon, je pense pas. Bah, je laisse le coffre ici, il y a plein d'essence en fait. Donc on décollera d'ici ou pas? Ouais, on va décoller. Où sont les map fusées? Attends, je vais quand même la loader. Oui, je peux la loader aussi. Tant qu'Ethan vient, j'étends la loader vite fait. Hop. On va juste la remplir d'essence pour éviter de perdre celui-ci. Ouais, bah un peu choqué déçu de la fusée. Hein. Je la pensais plus badass que ça quand même. Hein. Ouais, perso, bof. En plus, genre, j'ai encore tellement de canne d'essence que. Ouais, il faut une canne et demie pour la charger. Bah, deux cannes. J'ai pu remplir une canne, ouais, la moitié d'une autre, je pense. Hop. On va mettre celle-là dedans. Hop. Et on va. Et charge. Charge Ulbert. En tout cas, le soleil t'arrache la tronche. Hein. Ouais, ça, et le soleil, je l'aurais pensé plus jaune. Oui. Hop, ça, contre, ça se recharge. Du coup, on voit pas la, on voit pas la Terre. Mais T'es sûr? Bah oui. On voit Vénus. Ça, c'est vraiment bien. Ils ont vraiment pensé au truc. Hein, parce que ça aurait été con si on avait vu la Terre. C'était vraiment mal codé. Quoi. Oui. Parce que là, en fait, on est. Si je regarde, ouais. Par contre, il y a la planète qui tourne le plus vite. Oui, ah bah non, en théorie. On devrait voir Mars, on devrait voir la Terre dans quelques instants. Genre avec la tente très vite, on devrait la voir là maintenant. Genre, on devrait la voir passer la Terre. Dans le ciel, on regarde. Pour l'instant, je vois rien. T'as que c'est trop loin alors pour l'œil nu. En fait, on a quelqu'un pris le digital. Je sais pas, aucune idée. Éteint lui, je crois. Hop. Hop. La fusée. Hop, les pads. Le leader. C'est bon, moi je crois partir. Allez hop, on y va. Go, on laisse Ethan ici. Je vois Ethan là-haut. Ah oui, moi je vous vois. La Maïdan qui va tomber sans la fusée sans rien vu qu'il a crash dans le ciel. Donc il a pas du tout son matos. Est-ce qu'il va nous donner toujours la même chose? J'ai la clé. Je vous baise. J'ai eu la clé. Et c'est une tier 4. Comme les autres. Tiens, bon. Je vais te la donner vite en vidéo. Tiens. C'est ouais, même. Je l'ai aussi donc. C'est les mêmes clés que d'habitude. Donc plutôt choqué déçu. Et fait chier parce que du coup c'est buggé. Bah du coup on va devoir se buguer. Bah, après peut-être qu'ils ont fait en sorte qu'on doit se taper de la pleine Mercure pour ouvrir des coffres sur Diana. Non, les mecs ils sont pas assez du casse-point là, non. Surtout que c'est un peu buggé. Bah non mais c'est obligé qu'il y ait des. Putain. Tiens, des flèches. Oui. J'aime bien les flèches dans l'univers. Tiens, je te l'envoie. Putain, il met des blocs partout, lui. Ah putain, je l'ai trouvé. Ah putain, je prends ta rive. Putain, j'ai reçu une flèche. Ah, désolé. Hop. Putain, bah, j'ai vu l'armée. Hop, on remonte. Putain, t'as une course. Waouh. Oh, la météorite est tombée. T'as vu la météorite, elle est tombée. Ouais. Elle a explosé le terrain. Et j'ai un putain de bug. Oh, les flèches, elles montent toujours. Eh, regardez. Une pluie de flèches. Voilà, et tu sais, après ce matin, on va arriver en train de des flèches dans la gueule. Ah, c'est chaud.
Un cratère, mais pas une grotte. On va encore se taper un donjon, je pense. Hein. Bah ouais. Et si on trouve le Chovakov, on part sur Diana. Hein. En mode on rush. On part sur Diana. Non, on se tape Diana. On va rouler sur Diana. Et Reddick, ça attrape les flèches. Vas-y, vas-y, attends. Oh, attends, j'en chope une, j'en chope une. Ah, j'en ai pris une. T'as dit le cling ou pas? Non, mais du fait que les sons sont complètement masqués. Ah merde, c'est sûr, je l'ai vraiment prise. Hein. Et pourtant, je tire pas fort, mais j'aime bien la gravité avec les flèches, c'est magnifique. Ouais, l'espace, l'espace. Hein. Mais je suis un peu déçu de Mercure, je la pensais plus ouf que ça. Ouais, bah, ils ressemblent tous les mêmes planètes, c'est un peu chiant. Par contre, mais... peut-être que dans l'autre, ça va changer. Bah, je sais pas, parce que regarde, la dernière planète qu'on a faite, ça s'appelait comment? Vénus. Vénus, il y avait de l'animation, il y avait des blazes, des donjons, des villages, il y avait plein de trucs, il faut dire ce qui est. Elle ouais. Était plus vivante comme planète. C'est pas faux. Par contre, la Terre, je la vois toujours pas. Bon, on va faire un total up, ça. Rapidement. Ouais. Bon, allez, bah, on est reparti, hein. Direction planète très lointaine. Cette fois-ci. Bah, très lointaine par rapport à Mercure. Oui. Ouais. Ah, j'espère que tu crèves pas la dalle parce que t'en as pas plusieurs années de voyage. J'espère que t'as bien mangé avant. Oui. Ah, j'entends votre bruit de votre décollage de cette distance. On n'était pas peut-être à côté en fait. Pas très loin. Attends, je me dirige au soleil pour voir si je peux un peu. Je vois la Terre mais très bas en fait. Ah oui. Ah t'as vu, j'avais dit qu'on pouvait voir la Terre qui passe à distance, mais elle passe très vite, parce que en fait nous on a un arc plus court, enfin plus court qu'elle quoi. Oui non mais ça sont... ils ont pas à jauger ça, c'est un peu con. Oui c'est des codeurs les mecs, hein. C'est pas des et scientifiques. Hein. Chaque codeur est feignant. Hein. Non ça parle mal. Bah non, t'as déjà vu un codeur qui était pas feignant. Bah moi. Voilà. Bon bah, direction... Sur la galaxie de droite et c'est la Diona. Bon, moi je suis sur Diona, pas sur le satellite, on va sur Diona pile. Galaxie de droite et c'est Diona. Oh. Ah, j'ai lâché mon guette, allez sur Diona. Tu me réponds. Oui. Ah, par contre là il y a les bouteilles d'oxygène. Ouais. Ah oui, celle de droite là. Oui, la toute grande, le grand cercle. Putain, on dirait Mercure. Ouais. On dirait Mercure mais en blanc. Tellement. Oh, non, mais j'ai pas de loups. Ouais, il y a des loups. Ouais, il est space loup. Achievement Gate. Wesh Donna. Oh putain, oui, c'est vraiment, on dirait Mercure. Mais il y a plein de loups par contre, il y a plein de monstres. Mais on dirait Mercure bis. Oh putain. C'est déjà bien qu'on dirait Mercure. Bah non. Ouais. Hop. Hop. On va loader ça avant de partir. Pour récupérer l'essence. La canne d'essence, elle est où? Merde, j'ai foutu ma canne. T'as, par contre, j'ai rien consommé comme essence à billes, je traverse toute la galaxie, j'ai rien consommé. Oui, je confirme, c'est pété. Allez, charge-moi ça, toi. Bah, vous savez quoi, les mecs? Quoi? Je vais décoller avec 40% d'essence, pour voir si j'ai pu revenir sur la planète. Sinon, t'es foilier ou pas? Attends. Je suis monté à 50% pile, j'arrête là. Je suis à 50% pile, au retour, je décolle avec 50%. On pas comment, mais j'y arrive. Bah, après. Essaye, hein. Décolle, si tu peux. Non, mais toi, je décolle après, dès que je finisse par la planète. Ça, je mets ça là, ça, je vais jeter. Allez, fuel, charge. Ah oui, je suis à 50% aussi. Alors moi, là, j'ai on va. Après. On a foutu. De toute façon, on peut la casser, la fusée, elle restera dedans. Oui, ça restera dedans. Moi, je suis sur la planète. Il y a des loups spatiales. Bon, là, j'espère qu'on va trouver des bons donjons. En tout cas, il y a plein de loups déjà. Il y a des mobs spéciaux. Et si ouais. Je tape un loup, il y a tout la mob qui vient avec ou pas? Bah, il teste, tu vois. Bah, attends, je vais tester, bouge pas. Oh, peut-être les one shot. Ah, putain, je tape à la main alors, vas-y. Ok, ils viennent tous venir. Est-ce qu'ils font mal? Attends, on va voir. C'est des loups, hein. Ah, vous aussi, vous avez un gros? Des loups qui sont en train de voler, tu sais. Ouais, mais quand ils tapent, c'est un peu con, parce qu'en fait, ils sautent pour te mordre, mais ils arrivent pas à te choper, en fait, donc ils passent à côté de toi, tu sais.
Voilà. Bon bah y'a du loup. Merci l'arc pété. Hein. Ouais. Salut. Oh, un petit loup enragé. Bon, moi c'est mieux que les astéroïdes, hein, parce que vous avez vu, on s'est pas retrouvé. Oui. Ouais. Par contre, déjà, j'ai décollé loin de vous, alors là, maintenant, avec la distance de décollage, on se retrouvera plus jamais. Aïe. D'abord, bon. Trouver un... Maintenant, il faut trouver un donjon. Ouais. Bon, ouais. Un donjon, et on va espérer qu'on trouve enfin un coffre, parce que je suppose c'est parce qu'il y a dans les coffres comme ça. Ouais. Ouais, la salle du boss. Oh, un beau coffre. Oh, un coffre. Avec une tourelle. Hop, moi j'ai boss. Ouais. Mais nous, on est allé en mode légal. N'est-ce pas, Redix? Encore un creeper, ouais, trop cool. Ah, il y a le coffre, les gens. Il y a le coffre. Putain. Et attends, je vais voir si je peux l'ouvrir avec ma clé. C'est bon? Oh, oh, what the... Bah, y'a pas de plan, par contre, c'est nul. Ouais. Pour finir, ça vous dit pas qu'on cherche le boss, au fait? Parce qu'on commence... Le mec, il commence par le coffre alors qu'il y a de l'enjeu, c'est... Hop. Attends, je vais passer le boss. Bouge pas, je reviens. Hé, hey, le zombie. Calme-toi. Hyper chargeur laser. Hyper chargeur laser, what the fuck. Hop, on va le défonce, 1, 2, 2. C'est quel mode? De mort planète. Je sais pas à quoi il sert, mais cool. Oh, des petits creepers. C'est Maïtan, c'est qui se met devant la TNT, c'est genre... Hop, on va le farmer. Ils sont trop mis de me dire, t'as encore le truc de... T'as encore l'œuf? L'œuf ou la poule? Non. Oh, ouais, l'œuf la poule. Mais en fait, faut que tu mettes une torche en dessous, l'œuf, et tu fasses tomber. C'est comme les Honor Dragon en fait. Ouais, heureusement que ça tient. Bon, on n'a pas trouvé évidemment le coffre qui me blairait pour avoir un tier 5. Peut-être sur le satellite, on en trouvera un. Voilà, là, on a trouvé en fait la planète qui permet d'avoir les coffres. En fait, donc j'avais raison en fait. T'as vu, sur le Mercure, tu chopes les clés. Et si tu mets les coffres, tu mets dans les coffres. Et je suppose que lui, on en aura des clés supérieures. Oh, de la Stone Dust. En fait, c'est une logique plutôt particulière en fait. Sur une planète, tu récupères la TNT que tu es obligé d'occuper sur une autre en fait. Ouais, une creeper en orbite. Oh, merci pour les Epic Shards. Il a la clé ou pas? Non. Non. Ah, ça vous avez pas rien vu? Non, non, j'ai rien vu. Ah, moi je trouve la clé de Diana, moi, mais il a l'info, quoi, mais pas rien de plus. Oh, c'est une torche. Ouais, donc on avait raison, en fait, sur la planète, tu récupères pas de clé, mais tu récupères, tu peux ouvrir les coffres des autres planètes. Bah, j'ai encore une clé, ça vous dit pas qu'on s'en sort encore 10 donjons, mais tu sais, qu'on s'en trouve ouais, un pour une. J'en ai encore deux, moi, de mon côté, donc. Non, nickel, hop, on va manger un peu de ça. Attends, en fait, épée. Tiens. Mais Ah merde, c'est toi. Ouais, tiens. Comme j'avais dit, un seul lit sur chaque planète. Sauf que ça marche pas. Hop, et moi je passe par ici. Comme un gros connard, j'ai rushé le donjon. Hein. Conservégène, Tijane, conservégène. Ah, c'est une pierre d'une autre planète, rien à foutre. On va mélanger les planètes, on mélange les jus. Croise léger. Putain, vache, ça esquive partout, tu sais. Oui. Oh, des loups. Ah, mais ils sont pas les couilles. Genre, il me touche. Pas une théorie. Le mec qui passe, c'est comme un ninja pour foutre la merde. Mais tellement. Ah ben... En tout cas, les particules sont plutôt correctes, hein. Sont cool. Ah si. Putain, ça en donne que deux. Bon, bah, on va rechercher un donjon, hein. Il est en problème, la donjon, on a tellement que la cramé. Oui, c'est bien un donjon avec un Redix qui me tire dessus. Putain, dégage. J'allais rentrer dedans, fais chier. Voilà, de rien, bisous. Carcar paillette. Putain. Oh, il y a des belles choses. Parce qu'il y a dedans.
un autre coffre. Putain, il y a plus de coffres ici. L'iridium, ça c'est bien. T'as genre un crevé, j'ai plus d'oxygène. C'est con, hein. Bonjour. Bon, bien sûr, merci. Bonjour. J'ai force brute. Vas-y, tu joues chou. Ouais. Non, oh. Pas de... Putain, j'ai pas le pistolet, je suis dégueu. Je crois le Thunder Pearl, je compense. Laser gun, en plus c'était une quête dans le livre de quête d'ailleurs. Ouais, c'est un laser gun de c'était pas de mécanisme. Non, Galacticraft. Ah, Galacticraft. Enfin, mort planète plutôt. Bon, encore un donjon qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de plan. Sans doute on trouvera le plan justement sur le l'autre. Touche pas mon copain, tu vois. Non, tu pourras pas le casser en théorie, tu pourras plus rien casser. Au pire, on le laisse le boss ou pas? Ouais, ouais. Salut. Ouais, passez par mes tunnels. Moi, j'ai fait des galeries. Genre, on peut passer. Hop, voilà. Hop. Putain, pousse-toi, le zombie. Terrasse. T'as mis niqué vos meilleurs, putain. Trop de zombies. Hop. Oui, vous avez vraiment fait les tunnels. Okay. Ouais, c'était galère en fait. Hein. Ok, bon, bah, encore un truc nul, hein. On reconfine, tu... ouais, on reconfine, t'as mangé alors quand même. Et oust. Ah, je passe au milieu de tes flèches. T'es sûr? Hop, en dessous. Hop, à côté. Mais qu'il attend que je sois devant lui pour tirer. Le mec est... Oh, c'est quoi ça qui vient de tomber? Non, c'est Stan qui était la merde. Tiens, je vais me reprendre une flèche à mon retour. Dégage! Bon, on va se retrouver dans notre donjon ou pas? Bah, on va sur notre planète plutôt. Bah, tu vas sur le satellite? Ouais. Allez, go! On enchaîne les décollages. Là, par contre, les gens, comme j'avais dit, je décolle à 50% d'essence. Hein. Moins de 50. Hein. Oh, t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Bon, tout le monde est prêt? Allez, salut. Bon, d'accord. On décolle! Et si je me crache, il faut que vous venez me récupérer les mecs. Non, non, tu te démerdes. Tout te démerdes. Tu crèves en hauteur s'il faut. L'épisode, il va durer 150 ans, par contre. Là, on peut dire que c'est la méga exploration aussi. Oui! Regardez les mecs, je m'incline. Moi aussi. Partir à l'exploration. Attends, l'inventaire. Putain, j'espère que j'aurai assez d'essence pour sortir la trace. Ah, tu verras bien si tu crames. Tu vois la fusée à couleur au coin, ça retombe, tu sais. On a essayé de se rejoindre, mais... Oui. On se sépare. Bon, tu es en train de fumer, moi, là, derrière. Et t'en as croisé le G. Oui. Ah, donc, bah, c'est toujours quasiment la même. Faut un satellite. Ouais, faut un satellite, faut viser. Vise dans le trou. Oh, bah, c'est tout bleu. Ah, je suis derrière toi, je te vois. Je crois qu'on a un donjon juste à côté. Ah, oui, pour une fois. Ouais. Ah, bah, c'est le fameux terrain bleu. Ouais, c'est la Kno. Tu veux une machin chose là. Kno. Oh, il y a des belles pierres. Ouais. C'est quoi ça? Surface rock en bleu. Ça c'est quoi ça? Juste là, c'est la glace qui m'intéresse. C'est la glace. Ouais, ouais, la glonie. Glonie. Oh merde, c'est de l'eau. Merde, on se casse. Là c'est mon coffre là qui tombe. Ouais, c'est bien. Là. Non, c'est bien. Le tien vient d'arriver. T'es arrivé en dernier, Tan. Réfléchis. C'est toi qui est arrivé en dernier. Putain, il m'a piqué ma fusée. Non, c'est moi qui est arrivé en deuxième. C'était derrière toi, épée. Bah. Genre, on se bat pour une caisse. Non, mais c'est l'autre retard là, il connaît pas le classement. Putain, retard. L'audage, il est où? Hop, moi j'ai quelque chose avec 50% en abattre. Ouais, ben.
Putain, pff, relou, cancérigène, c'est jeune. Cancérigène. Bah alors, tu sais pas. T'inquiète, ça s'en va à la police. Ça s'en va à la police. What the f... Ah oui, ouais. Ah, oh, c'est joli ça. Les Endermen qui sont bleus, enfin qui ont la tête bleue et les yeux bleus et les particules bleues. D'accord. Ils sont bleutés ? Ouais, ils sont bleutés, ouais. Ah, un coffre. J'ai tout ce qu'il y avait dedans, donc. Ouais, comment on rush le donjon comme des porcs, quoi. Eh hey. On va se calmer avec son arc. Je t'école depuis l'entrepôt pour un abat. Et je t'école à 40% de pétrole, j'ai même pas ça d'arriver jusqu'au bout. Si je meurs, c'est grave ou pas? Ouais, c'est grave. Faut pas que je meure, putain. Allez, décolle! Oui, c'est pelliculé. Putain, et... j'espère vraiment que j'arriverai à aller jusque dans les autres planètes. Putain, je suis à 30% de pétrole, je suis pas sorti de l'attraction, putain. Vas-y, décolle toi aussi. Allez, et vous êtes au courant, si on décolle au même endroit, on va apparaître dans les mêmes coffres. Ouais, on verra. Oui, mais c'est des coffres, donc du coup, ça va pas... Allez, on va sur la Terre. Voilà, c'est vraiment ouais. Bugué, parce que regardez les gens. J'ai resserré sur Terre avec 30% de pétrole, on n'en parle pas. Ah ouais. Donc c'est bien dit, en gros, avec même pas une canne, tu peux aller n'importe où. Je suis à la trace, j'arrive. Enfin, j'essaye. Parce que pour moi, t'es parti. Ah, on va voir genre des silos de missiles avec des fusées tirées. Ah, ce qui est bien, on est au moins 10 000 km de la maison. Ah. Enfin, moi en tout cas, pour ma part. Hein. Bah, sachant qu'on a tous décollé à la même enseigne. J'ai essayé de décoller sur le côté. C'est vachement de bugué. Oh, putain, j'ai tué ma fusée, je suis con. Oui. Voilà. Je me suis décalé de 200 blocs, voir un petit peu si j'étais plus loin ou encore plus près. Et hop, moi j'aurais décollé à la... l'horizontale. Voilà, allez, direction Terre, et puis on terminera là-dessus. Hop, et moi j'ai décollé à l'horizontale. Si, si. Oh putain, je suis dans l'océan. Et je suis à... 6000 cubes. Pourquoi faites-vous connard comme ça? Je suis à 90% de pétrole. Je suis sûr d'arriver jusqu'à la base. Oui, après, par contre, la maison, je sais pas si il y sera encore. Si on met un truc ici, là, c'était quoi? Il le brûle! Merde, je pars dans la mauvaise direction. Oui. Tourne. Et dans l'autre sens, gros débile. Ouais, salut, hein. C'est bon, je me suis réorienté. C'est bon, je me suis réorienté. Ah bah, je vois plus. Bon, allez hop, moi je me dirige vers la base. Allez, salut. Salut, hein. Ah, bah, c'est bon, juste attends-moi. Attends, je vais prendre mon téléphone, vu que j'ai que ça à faire. Bon, bah, bisous, hein.